Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. Shalom à vous, shalom à vous, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Bonjour à tout le monde ce matin. Alléluia, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom est, il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Alléluia. Que l'Éternel des armées nous bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Bienvenue sur notre plateforme de prière matinale. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin. Bonjour à ceux qui me regardent, qui se mettent déjà à sourire. Je réponds à votre sourire. Que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui sont très éloignés. Soyez bénis. Merci à ceux qui sont à côté ici, c'est-à-dire en Afrique, dans mon pays, le Sénégal, ceux qui sont en Guinée-Conakry, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Mali, Gambie, partout ici au Togo, Bénin, que l'Éternel des armées vous bénisse dans le nom de Jésus. C'est une joie pour moi de vous revoir encore ce matin. Surtout d'être compté parmi les vivants, c'est une grâce. Alléluia. Ce matin, nous allons, par la bonne grâce de Dieu, faire une prière qui va beaucoup nous aider. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui marchent sous des couvertures ou qui sont identifiées par ce que l'ennemi les a donné comme habillement. Amen. Comme vêtement, comme un habit. Il y a beaucoup de personnes qui marchent. Quand tu les vois, vraiment, c'est des personnes qui sont bien normales. Tout va très bien. Ils ont bien étudié, ils sont éloquents. Mais quand tu regardes, tu fouilles leur vie, il y a quelque chose qui les bloque. C'est comme si on t'a fait porter un manteau. Chaque fois que tu apparais, le monde des ténèbres se rassure, il fait tout, que les gens n'arrivent pas à te favoriser, les gens n'arrivent pas à faire ce que tu à répondre à tes demandes à cause de ce que tu portes comme un habit. Alléluia. Ça peut être un habit de prisonnier, ça peut être un habit de deuil, ça peut être un habit de sacrifice, ça peut être un habit je ne sais de quoi, mais ce matin, nous allons ôter ces choses-là sur nous par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Regardez un peu Zacharie. Le cas de Zacharie est étonnant parce que le serviteur de Dieu, Josué, était un homme de Dieu. Il n'avait même pas remarqué qu'il avait un habit sale sur lui. Jusqu'à ce que l'Éternel des armées ait eu compassion. Ce matin, Dieu aura compassion de lui, va nous libérer de ses vêtements au nom de Jésus. Zacharie chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit au verset 1, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Écoutez bien. Là, il dit, il m'a fait voir Josué, le souverain sacrificateur, l'homme oint de Dieu. Il dit, à côté de lui, le diable était là, Satan était là pour l'accuser, l'accusateur des frères. Mais ce matin, il est vaincu dans le nom de Jésus. Il t'accuse dans ton lieu de travail, il t'accuse dans la communauté, il t'accuse dans ton quartier. Tu ne peux pas relever ta tête. Même dans ta famille, tu es accusé. Mais toi, tu sais entre toi et Dieu que ce de quoi on t'accuse n'est pas une vérité. Mais ce matin, le changement de manteau va faire sortir l'éclat de la bonté de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Le verset continue, on continue au verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime, nous disons la même chose ce matin. Que l'Éternel te reprime, Satan, au nom de Jésus. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Maintenant, écoutez le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, il était couvert. L'ennemi est venu à côté pour le mettre un habit sale, pour ne pas qu'on puisse l'identifier, pour ne pas qu'on puisse le reconnaître. Alléluia. Il dit, mais, oh Dieu est bon.
Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les habits sales. » Et puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de joie, l'habit de fête, l'habit de reconnaissance, l'habit de la faveur de l'Éternel au nom de Jésus. » Et il dit au verset 5, « Et je dis qu'on met sur sa tête un turban pur. » Et il mit un turban pur sur lui. C'est-à-dire la royauté, ce que tu es. Ce matin, nous allons nous adresser aux vêtements sales. Tout vêtement de deuil, vêtement d'accusation, vêtement de pauvreté, vêtement de frustration, vêtement de maladie préparé par le monde des ténèbres pour me les faire porter en cette année, je déclare que je ne les porterai pas. Ce n'est pas ma portion, je ne porterai pas un habit de deuil, je ne porterai pas un habit de frustration, je ne porterai pas un habit d'échec, je ne porterai pas dans le nom puissant de Jésus un habit de frustration, de maladie, je ne le porterai pas dans le nom de Jésus. Je ne le porterai pas. Tout habit qui a été préparé par le monde des ténèbres, je déclare ce matin que cet habit sera porté par ceux qui l'ont fabriqué dans le nom de Jésus. Comme il a dit à Josué, vois aujourd'hui, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je déclare à une personne maintenant que là où tu es, tu commences à porter l'habit de la réjouissance, l'habit de la faveur, l'habit de la distinction, l'habit de la gloire au nom de Jésus. Là où tu étais minimisé, là où tu as été rejeté, à cause du changement de manteau ce matin, l'Éternel ouvrira la porte pour toi comme un roi, comme une reine dans le nom de Jésus, comme un prince, comme une princesse. Je le déclare par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout vêtement de deuil sera consumé par le feu du Saint-Esprit. Vêtement, quel que soit le nom du vêtement, je déclare que ce vêtement reçoit le feu de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous partons dans Jérémie, nous allons regarder ça rapidement pendant que je suis en train de finir. Jérémie, le dernier chapitre de Jérémie, c'est le chapitre 52. La Bible dit dans ce passage au verset 33, il dit, on lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea juste toujours à la table, à sa table tout le temps de sa vie. Regardez, quelqu'un qui avait un habit de prison, il était emprisonné quelque part. L'objectif de l'ennemi, c'est de garer. Mais nous refusons cela en 2024. Nous ne serons pas garés, nous ne serons pas emprisonnés. Tout vêtement de prison préparé, nous le retournons à l'envoyeur. Nous portons des vêtements de joie. Je fais porter ce matin un vêtement de joie à mes enfants spirituels comme à mes enfants biologiques. Un vêtement de fête, des vêtements de distinction. Il le porte ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Dieu a fait à Mardoché. Quand la situation de Mardoché a changé, quand Dieu a changé son statut, il a enlevé le manteau, oui Seigneur, d'un gardien, en un manteau royal. Oui Seigneur, mon Dieu, il a été reconnu, il a été distingué et il a porté le manteau. Il était identifié avec ce manteau. Quand Bartimée a rencontré Jésus, il a enlevé le manteau de la mendicité. Tout manteau de la mendicité que l'ennemi veut te faire porter cette année, je le refuse. Je retire ces manteaux. Je te mets le manteau royal ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur des armées, nous te disons merci. Notre roi des rois, nous t'exaltons ce matin. Parce que c'est toi qui as la capacité de nous faire porter tous ces manteaux de joie. Nous le proclamons. Alors ce matin, nous nous revêtons de ces manteaux au nom de Jésus, de la tête jusqu'à la plante de nos pieds par la puissance du Saint-Esprit. Et rien plus jamais ne pourra nous résister au nom de Jésus. Papa, nous confions la journée à toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette journée. À cause du changement de manteau sur nous, quand nous allons sortir, que la faveur de Dieu nous accompagne. Que les portes qui étaient fermées devant nous s'ouvrent à cause du manteau royal que tu nous as donné, le manteau de la faveur, le manteau de la distinction, que les portes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que nos allées et nos retours soient bénis. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campera
autour de ceux qui te craignent pour les arracher du danger. Que nous soyons escortés matin, midi, soir en cette journée par l'assistance angélique pour nous arracher de tous les pièges, de tous les plans de l'ennemi, des dangers de l'ennemi au nom de Jésus. J'annule les accidents programmés, que ce soit les accidents domestiques, que ce soit des accidents de circulation, que ce soit des accidents, je ne sais où, dans les lieux de travail, je les annule en ce jour dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Que sa main puissante nous soutienne. Je l'ai dit en début de cette année que l'ennemi ne va pas nous surprendre cette année, mais il sera surpris de voir la gloire de Dieu rayonner dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de nos vies, je le proclame et je l'établis dans vos vies et dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. À nous revoir encore demain matin, par la bonne grâce de Dieu, sur la même plateforme. N'oubliez pas d'aimer la paille, de la partager. Et n'oubliez pas aussi de parler de Jésus aux gens. Jésus fait du bien. C'est pour ça qu'il est venu. Il fait du bien. Parle de Jésus autour de toi. Partage l'amour de Dieu. Partage ton témoignage. Ton témoignage va émerveiller quelqu'un. Il va le toucher. Si tu n'as pas de parole à partager, partage ta vie avec les gens. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est ça que le Seigneur va utiliser pour sauver une âme. Que l'Éternel te bénisse en le faisant dans le nom de Jésus. Nous vous aimons et nous vous apprécions. Shalom à vous, excellente journée, dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.